Principalement par l'augmentation des autorisations de séjour délivrées aux étudiants, plus 30,9%. Plus de 30%, ça correspond. Je n'avais pas connaissance de cette circulaire. Pas une façon de me dédouaner. Simplement, elle ne m'était pas destinée. Donc, je n'en ai pas eu connaissance. J'ai été alerté par vous, par la presse, ce week-end, et donc j'ai lu cette circulaire ce week-end. Voilà, ni plus ni moins. Il y a 6 mois, a été mise en place. Une première étude montre qu'un quart des demandeurs d'emploi ont trouvé un travail au bout de 3 mois. La seule circulaire effectivement valable sur les conditions dans lesquelles doivent être démantelés des campements est celle que nous avons co-signée Brice Hortefeux et moi-même. Elle date du 24 juin, elle est à votre disposition et je ne vois pas qu'elle ait été critiquée sur un seul de ces termes. Elle est conforme à nos principes et à notre tradition républicaine. Dans les prochaines semaines, je lancerai avec un important opérateur la première solution. Bien évidemment que nous allons maintenir notre politique de reconduite vers leur pays d'origine des étrangers en situation irrégulière. Pourquoi suspendrions-nous ? Pourquoi ? De toute façon, je vous ai déjà dit, j'ai déjà eu l'occasion de dire que ça n'est pas une nouveauté. L'année dernière, ce sont près de 11 000 Roumains et Bulgares en situation irrégulière qui ont été reconduits dans leur pays d'origine. 56,5 millions d'euros en 2010, soit une augmentation. Merci beaucoup.